Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler de la victoire d'étape sur le contre-la-montre individuel à Pau de Julian Alaphilippe, l'actuel maillot jaune de ce Tour de France 2019. Victoire sensationnelle devant les plus grands, devant tous les leaders du Tour de France. L'actuel porteur du maillot jaune, Julian Alaphilippe, s'est tout simplement transcendé pour aller chercher cette très belle étape devant Geraint Thomas et également en troisième position devant Thomas de Gent. Julian Alaphilippe qui a vraiment fini fort hein, dans le dernier kilomètre, il reprend 7 secondes à Geraint Thomas pour avoir une avance de 14 secondes sur Geraint Thomas justement à l'arrivée. Voilà, donc on voit les images du dernier kilomètre où Alaphilippe il passe la bosse avec 17% de moyenne à une vitesse tout simplement extraordinaire et c'est là qu'il récupère ses précieuses secondes bas à Geraint Thomas. Là, c'est les pointages intermédiaires où Julian Alaphilippe a toujours pointé en tête, toujours autour de 6 secondes d'avance, 5 secondes d'avance et puis à l'arrivée 14 secondes d'avance. Ça, c'est le départ de Geraint Thomas, le Britannique. On a eu aussi une chute malheureuse de Wout Van Aert, le champion belge du contre-la-montre. Sinon, Peter Sagan a toujours fait le show comme il fait à chaque étape. L'actuel maillot vert qui a une solide avance sur le deuxième Sonny Colbrelli. Et en tout cas, très belle victoire d'étape de Julian Alaphilippe qui conforte son maillot jaune par la même occasion et poursuit donc ce Tour de France dans les meilleures conditions avant d'attaquer deux étapes samedi et dimanche dans les Pyrénées qui vont être tout simplement extraordinaires. Demain, arrivée au Tourmalet et dimanche, arrivée tout simplement après plusieurs cols à Foix par d'Albi. Le Prat d'Albi, voilà un col qui est vraiment long, 12 km avec des pourcentages assez rudes qu'on pourra voir dans les prochains jours sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!